Monsieur Ibrahima Kassouri Fofana, prévention des détournements de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 499, 776 à 764 et suivant du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Oui, monsieur Ibrahima Kassouri Fofana. Monsieur le Président, comme vous le constatez, la fois passée, vous avez ordonné le renvoi de cette affaire à cette date pour que M. Ibrahima Kassouri Fofana comparaisse et même son médecin traitant pour vous donner des informations. Malheureusement, nous sommes encore surpris que ni l'un ni l'autre ne soit là dans cette salle comme vous l'avez ordonné. Les gardes pénitentiaires, Monsieur le Président, honorable assesseur, étaient partis le matin, munis d'un ordre d'extraction, à l'effet que M. Ibrahima Kassouri Fofana se fasse extraire pour venir à cette audience. Et malheureusement, ils n'ont pas pu avoir accès à lui parce qu'il est dans une salle, il est encore à la clinique Pasteur. Et il n'a pas malheureusement donc pu être extrait. Mais Monsieur le Président, honorable assesseur, nous, franchement, on vous a dit, nous vous avons dit la fois passée que Monsieur Ibrahima Kassouri Fofana refuse de comparaître. C'est de la mauvaise foi, il ne veut pas comparaître à votre audience. Ça, ce n'est pas un sentiment qui date de maintenant. Cela a été déclaré par le prévenu lui-même et de vive voix. Il l'a transcrit et l'a matérialisé dans un écrit. Moi-même, je l'avais dit lors de la première audience que c'est un défi que ce monsieur lance à la justice guinéenne en disant qu'il ne va pas se faire juger comme si lui, il était au-dessus de la loi, Monsieur le Président. Cette décision devrait être exécutée par le parquet spécial. À date, je mets au défi quiconque de me donner la preuve de la simple signification de ce risque de cette décision, à plus forte raison, son procès verbal d'exécution. C'est resté là où vous l'avez laissé, sous sa forme manuscrite. Elle n'a même pas été rédigée, saisie. Mais de qui se moque-t-on, Monsieur le Président, lorsqu'on lui dit que le procureur vous dit qu'il est sûr, qu'il n'est pas surpris que Kassouri ne vienne pas? Est-ce qu'il a fait les diligences qu'il fallait faire pour que Kassouri Fofana soit présent à cette audience? Monsieur le Président, on ne peut pas quand même, pour peu qu'on ait du respect à un magistrat du siège, se fonder sur sa propre faute pour demander des droits à ce magistrat. Il aurait fallu avoir signifié et exécuté pour qu'on demande au magistrat de faire ce qu'on souhaite lui faire faire. Monsieur le Président, une décision de justice a besoin d'être exécutée. Je ne m'étends pas sur ça. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire et ce que le fait de ne pas faire exécuter cette décision provoque comme désarroi, comme malaise. Monsieur le Président, qu'on vous dise donc que Kassouri refuse de comparaître, je souhaite vivement que les conditions de santé dans lesquelles Kassouri se trouve aujourd'hui n'arrivent pas à ceux qui refusent de comprendre cette situation. Humainement, je n'ai pas le cœur de leur souhaiter cela. Je prie que le bon Dieu leur épargne cet état de fait. Un prévenu en matière pénale,
je n'apprends rien à qui que ce soit. Et assisté, il n'est pas représenté. Il est assisté. Conséquemment, Monsieur le Président, si les conseils du Dr Ibrahim Akassori Fofana veulent parler, en tout cas en son nom, il faudrait bien que leur client soit là. Autrement dit, ils se contenteront simplement de faire des écrits qu'ils verseront au dossier de la procédure et à la cour. Il est vrai que l'article 485 est clair. Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. Nous mettons fin à ce débat et nous allons prendre une mesure tout de suite là, s'il vous plaît. La Cour ordonne l'exécution de la mesure relative à la comparution du médecin traitant de Ibrahim Kassori Fofana et de sa personne en vue de la production à l'audience du rapport au contenu compréhensible pour la Cour et renvoie au lundi 26 juin 2023 à 9h00 à cet effet.